Ok, salut, salut la team. Aujourd'hui on va vous donner ça un truc de ouf. Moi je suis chaud personnellement là. Je reviens du Prime Wolf, j'ai un peu vomi, mais bon là je suis déter. Avec ce qu'on va vous dire, ça va être énervé. Ok la team, donc avec Vlad on veut se lancer des défis, voilà, ça fait un moment qu'on veut faire ça. Tard de rigoler. Voilà, donc là on a trouvé des bonnes idées parce que tout à l'heure on était à la salle. Ok. Et je sais plus, on parlait de quoi? On parlait de quoi exactement? Ouais, je sais pas, je me rappelle plus très bien. Voilà, bref, on est en train de pousser comme des ouf. Et Vlad il me dit d'un coup, moi ça me dérangerait pas de me raser la tête. Ok, c'est parti, on y va, allez go. Allez Vlad. Alors, qu'est-ce que tu veux comme coupe? Rastou. Ok, c'est parti, c'est prêt? Et donc là, c'était le truc à pas dire. Moi, je lui dis que personnellement, je pourrais pas faire ça. Mais du coup, il m'a trouvé une autre idée. Donc, et vas-y. Il va courir le marathon. Il va s'épiler les jambes, il va courir en t-shirt. Alors, un t-shirt avec un petit short de merde. Voilà, donc vraiment bien court, plus court que celui-là. C'est parti. C'est bon, t'es prêt? Bon. Moi, je vais me déshabiller, coupure. Bon. C'est ça, mec. Dun, 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 dun. Vas-y, bon, la marque t'es épilé, on va prendre des affaires, Marco. Vas-y, je vais choisir. Non, non, c'est bon, c'est moi qui vanne. Ah putain, le bâtard. Oh putain. Vas-y. Ok, la team, c'est parti. Donc là, je vais faire le semi-marathon. Donc là, il y a 20,1 km. Le semi-marathon, c'est 21 normalement, je crois. On a 86, c'est planifié. Mais bon, je pense que je vais mettre 2 heures parce que là, c'est prévu en marche. Donc je vais courir. Et du coup, regardez les sapes qu'il m'a choisi. Tu sais quoi, je vais faire encore plus le kéké, parce que bah, j'avoue que toi ton défi était chaud. Donc voilà, là-bas, donc là on part de Villa-Saint-Georges, on arrive au Trocadéro, on a 21 km. Là-bas, la team Orboni nous attend, donc bah écoutez, c'est parti. Bonne chance mon gars. Si, merveilleux. Allez, go. Allez. Ok, il rigole derrière la caméra. Bon, arrête, Teddy encore le caméraman, on remercie encore. Et lui, du coup, c'est moi qui va lui raser la tête, donc ça restera la même longueur que sur le côté, voilà. Donc, voilà. Donc, bien sûr, pour ça, il faut quelque chose. On va pas faire ça comme ça. Ouais. Il faut quelque chose. Ça va pas être un challenge entre nous deux. Pour moi. Ça va pas être un challenge entre nous deux, mais simplement, ça va être à vous de jouer. Ok? À vous. Donc, j'explique. Ok, donc là, on est le 31 mai. Et il faut que, avant le 30 juin, il y ait 2000 abonnés sur la chaîne. 2000 abonnés. Et donc, du coup, lui, il se rasera les cheveux. Enfin, je lui raserai les cheveux. Et moi. Je vais courir le semi-marathon. Épilé avec, à la bande, hein. C'est ma soeur qui me le fera, elle est ancienne esthéticienne. Donc voilà, j'ai galéré esthéticienne. On va bien rigoler. Et comme nous, on aime bien les défis. On aime bien les défis, on ne sait pas s'arrêter. Et s'il y a 2000 abonnés, bah, y a voilà. Si je le ferai. Et sauf que j'ai voulu mettre la barre un peu plus haute. Et donc là, on va se faire critiquer, mais c'est pas grave, on veut se défier, on veut vraiment se surpasser. Ok, la team, donc avant le 30 juin, si jamais on atteint les 3000 abonnés, qu'est-ce qui se passe, Vlad? Et bah vous voyez le petit logo que vous voyez ici là sur YouTube qu'on met à chaque fois là. Notre logo Workbody. C'est l'indice. Et bah du coup on va se le tatouer sur notre corps, c'est à l'endroit corps, qu'on veut. C'est pas où on... Ouais, Anthony, ça va? Ça va. Tranquillement. Ouais, je te demander si t'avais la place pour samedi 30 juin. Pour Workbody, le tatouage? Ouais, le tatouage Workbody, ouais, pour mes places. D'accord, bah ouais, carrément ça peut se faire. Un après-midi carrément, ça te dit? Vas-y, ouais. Bah vas-y, je note ça, on fait ça, y'a pas de soucis. Ok, bah écoute, t'as un petit au 30 juin alors. Y'a pas de soucis, ça marche. On va le faire encore. Donc sans Laurent, juste le WBB. Juste le WBB. Où on veut. Donc Tu connais. Voilà, donc on va choisir, on verra. Ok, donc là on compte sur vous pour ne pas partager au max. c'est la première fois qu'on vous dit ça. Je sais beaucoup qu'il y en a qui vont vouloir partager. Donc Teddy là, derrière, parce qu'il a qu'une envie lui. C'est qu'on le fasse. C'est qu'on le fasse. C'est que j'ai plus de cheveux. Et que je vous promets qu'on va le faire. Parce que on ne dit jamais les trucs devant vous, devant la caméra, pour ne pas le faire. Ouais. Ça va être dur, on va en chier, on va se taper la honte, mais on va le faire la team. Ok la team, donc la vidéo est terminée. J'espère que vous avez apprécié le petit défi. Ouais. J'espère que vous n'allez pas partager. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc taguez tous vos potes pour voir la vidéo.
Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez. Vous pouvez critiquer, bien sûr. Je sais que c'est peut-être ridicule de faire un tatouage hors body. C'est comme si le mec de McDonald's mettait le logo McDonald's sur lui. C'est ridicule, mais c'est pas grave. On veut vous faire rire. On veut se défier. Donc voilà. Donc partagez au max. Et puis sur ce, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ok, je m'arrache des îles Gilly. J'arrive à copipi. Elles sont toutes autour de moi. On dirait que je suis le coq ici. Elles me poursuivent et moi je serai poursuivi pour homicide. Si je continue à briser des cœurs violents comme patate d'olifide. Elle le ressent, je suis inquiet.